Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau Skylanders du jour. Alors une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on ne va pas parler d'une figurine mais de deux qui ne sont même pas rares du tout, d'ailleurs elles sont pas rares du tout, mais il y a un phénomène un peu étonnant qui existe des fois de temps en temps sur Skylanders et c'est le cas de... Tada ! De Chill tout simplement. Alors Chill, voilà, personnage de la série 2, hein, socle machin. Alors je sais pas si on voit bien... Alors pourquoi je vous parle de Chill? Bah tout simplement parce que il existe plusieurs versions de Chill. Et là je parle pas des versions Lightcore, Legendary, qui viendront prochainement. Mais là je vous parle de regarder. Alors, Chill, Youp, hein, voilà, hop, Chill, et Chill, Youp. Alors est-ce que vous voyez la différence? Alors la différence, elle est simple, elle est au niveau de la bouche. Alors déjà, c'est vrai que bon, les épées sont pas inclinées pareil. Hop, je vous mets ça. Et surtout, il y en a une là qui a les joues, qui a les lèvres. Rouge, hein, donc hop 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 hop, lèvre rouge, on va essayer de le montrer. Ah, une petite mise au point là, ce serait cool. Bon, pas de mise au point, mais elle a les lèvres rouges, voilà. Et l'autre qui a les lèvres bleues, donc c'est Red Lips Chill. Alors, c'est étonnant, c'est des choses, vous pouvez regarder dans les magasins, généralement ils ont les deux versions. Donc c'est en fait, la première version c'est celle avec les lèvres rouges. Et ils se sont trompés parce que le premier artwork, Chill avait les lèvres rouges, et dans le deuxième artwork, Chill avait les lèvres bleues. Et le problème, c'est que dans le jeu, ils lui ont mis les lèvres bleues. Donc la vraie, si on peut dire, hein, en fait, la vraie qui devrait exister, c'est uniquement celle-là. C'est celle avec les lèvres bleues. C'est celle qui est produite un peu partout. Vous voyez, hein, y a pas vraiment de différence comme ça si on montre. Aussi, il y en a une qui a pas le même penché, qui est pas penché pareil. Bon, après, ça se change. Hein, c'est pas non plus. Voilà. Donc il existe deux versions de Chill. Alors attention sur internet, les mecs ils ont vu la petite différence et ça y est ils s'enflamment, genre ouais version super rare, Red Lips Chill. Non, on la trouve généralement, sans vous mentir, dans tous les magasins il y a les deux versions. Si on veut dire qu'il y en a une qui est plus rare à la rigueur, ça sera les lèvres rouges, parce qu'elle est amenée à disparaître, mais on en trouve encore plein, hein. C'est pas non plus le color variant qui tue ou quoi que ce soit. C'est une anomalie rigolote que tout le monde peut avoir si vous collectionnez un peu et que vous voulez une version un peu plus color variante, beaucoup plus discrète. Il en existe d'autres des comme ça, mais on a le temps de voir. Et bah, moi je joue avec la Red Lips puisque je viens de dire qu'elle était plus rare, même si elle n'est pas plus rare. Donc on va la mettre sur le portail. Dégivré. Donc voilà, Chill, c'est un personnage très équilibré qui a pour élément la glace. Bon, ils ont mis ça dans l'eau parce qu'ils n'ont pas la glace, mais bon, la glace c'est de l'eau qu'on voulait, hein, tout simplement. Et donc elle peut faire des murs de glace, jeter des boomerangs de glace, etc. Elle est assez puissante, assez intéressante à jouer. C'est pas celle que je préfère parce que bon, elle plaira aux gens qui aiment bien ceux qui ont des armes de jet. Moi c'est vrai que je suis plus en combat rapproché, bon enfin c'est personnel, hein, chacun son truc. Mais voilà, donc elle est intéressante. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, je vous les remontre. Red Lips, donc lèvres en anglais. Red Lips Chill. Ah, fais la mise au point la caméra là. Bon bah faut me croire. Voilà, là on voit bien, la lèvre rouge. Et là, Blue Lips Chill, qui a les lèvres bleues. Je mets les deux à côté pour vraiment qu'on voit la différence. Et voilà. Donc si vous voulez faire un truc un peu étonnant, très rare, enfin assez rare et pas cher, et ben voilà, vous avez ces deux versions que vous trouvez généralement dans les mêmes magasins. Et en plus, comme ça, vous pouvez vous la raconter avec vos potes. Et c'est assez rigolo. Voilà, voilà. Bon, moi, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, on verra ce que c'est. Mais en tout cas, ça sera cool. Allez, salut, à la prochaine.